أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous poursuivons notre réflexion autour de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام en ce 12e jour du mois du Ramadan. 12e jour du mois du Ramadan et nous avons atteint dans ce cheminement sur ces enseignements, ou à partir des enseignements dont nous parlons, nous avons atteint ce moment tout à fait particulier où trois choses, ou en tout cas deux choses négatives ou perçues comme difficiles par le prophète sallam vont participer de sa vie. La première, bien entendu, c'est venir avec un message de bonté et être rejeté, et à un moment donné, le silence de Dieu, quand Dieu semble ne plus répondre à son attente. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons expérimenter sans être des messagers dans les demandes que nous avons, dans les invocations, puisque nous savons que l'adoration de Dieu, ce sont les invocations et du'a ou al-ibad, c'est-à-dire c'est vraiment de ça dont il s'agit. À des moments donnés, on a du silence. Et Dieu répond d'une façon ou d'une autre au silence, au doute quant à soi, finalement, tout ce qui peut être perçu comme négatif. Dans la vie du prophète, reste salam, il va y avoir, bien entendu, les révélations qui sont un cadeau, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, Allam al-Qur'an, il est le miséricordieux, il a fait descendre le Coran avec sa miséricorde. Mais il y a une autre chose. Le prophète, reste salam, quand il était jeune, avait épousé une femme, Khadija, radiallahu anha, qui va être la première à se convertir à l'islam, à le suivre, et même au moment du doute, quand il reçoit la première révélation et qu'il a un doute, est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu, et il dira « Zammilouni, Zammilouni », c'est-à-dire « Protégez-moi, protégez-moi », eh bien, elle va être présente pour l'accueillir, pour lui redonner confiance en lui. Tu ne peux pas, avec toutes les qualités qui sont les tiennes, être possédé par le diable. Sans doute ce message est-il un message du divin, et elle va l'accompagner en lui présentant, en l'occurrence, son propre cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui le premier lui dira « Ils te rejetteront, ton peuple te rejettera, puisque c'est le lot de tous les envoyés ». Mais ce qui est important, c'est qu'elle a une présence, cette femme, une présence qui est en fait un signe. Ce qui est dit dans Sourate Ar-Rum, de ce que nous avons, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Et parmi ces signes, il a créé de vous, tiré de vous un époux, une épouse, pour que vous demeuriez auprès d'elle. Elle va avoir exactement ce rôle-là. Elle va avoir le rôle qu'on a dans le Coran, hunna libasun lakum. Elles sont une protection pour vous, autant que vous êtes une protection pour elles. Eh bien, cette femme, elle est dans toutes les difficultés que le prophète va avoir, dans le doute qu'il a seul quant à lui-même, elle va être la femme qui va lui donner confiance en lui avec elle-même. C'est-à-dire à deux, cette confiance, la compagne, l'être, l'autre être qui va l'accompagner. Et là, on remet en cause tout de suite ce fameux proverbe qui dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Ici, vous voyez que cette femme est avec lui, qu'elle va l'accompagner. Elle accompagne le messager. Elle est celle qui le protège et qui va lui permettre d'accomplir sa mission. Pendant 25 années, elle sera sa seule compagne, la seule femme dont Aïcha, radiallahu anha, sera jalouse par la suite, qui lui a apporté la présence, la confiance, qui lui a apporté la force et même la protection sociale, puisqu'elle était riche. Elle a été une femme importante, mais ce qui est extrêmement révélateur, c'est que nous vivons notre foi dans l'individualité, dans l'intimité, mais c'est important, et c'est pour ça que pendant le mois du jeûne du Ramadan, les liens de famille, les liens entre l'homme et la femme et l'homme et les enfants sont tellement importants. La foi se vit seule et se nourrit en famille, se nourrit avec l'autre, le mari ou l'épouse et les enfants, et une famille qui donne cette force dont le prophète a tant eu besoin et dont nous avons d'autant plus besoin aujourd'hui.
Que Dieu nous aide et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.